Bonjour, Martin David, 39 ans, cherche femme qui respectera son autorité, fait la vaisselle, laver le linge, plier le linge, se brosser les dents, de brosser les dents à moi, me laisser jouer à l'ordinateur 27 heures par jour, me laisser regarder la télé, me laisser regarder. Non mais sérieux, sur les sites de rencontres, vous avez vu une seule fois quelqu'un qui est honnête? Enfin, je sais pas, le premier jour, le deuxième jour, ça va. Mais le troisième jour, ouais non, je déteste le foot. Jamais j'ai regardé le foot de ma vie. Putain, il y a un peu de soleil. Non, jamais de la vie. Le foot, j'aime pas, c'est nul. Des joueurs qui jouent sans ballon. Non, 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 c'est nul. Putain, le match recommence. Je t'en parlais tout à l'heure. Non, mais d'accord, puis ça, c'est juste un tout petit truc. Et les gens qui sont se passés pour quelqu'un de 15 ans, pour une fille de 14 ans, les mecs, on dirait des pédophiles, hein. Oui, bonjour. Wesh. J'ai 13 ans. Et je cherche l'amour. Ouais, j'ai 13 ans. Hein. J'ai. Sérieux. Ces mecs-là, après, ils draguent des meufs avec une fausse photo qu'ils ont soit retouchée, soit trouvée sur Internet. Ils vont au rendez-vous. Bonjour. Bonjour. C'est moi, Martin, sur le chat. Sauf que la meuf, après, elle se dit, non, mais je le veux pas. Et quand elle essaye de partir, eh ben il y a un camion blanc qui l'attend. T'as un camion tout blanc, il y a des bonbons à l'intérieur, ce qui nous font croire les parents. Après, ils emmènent dans le camion. Et ben c'est parti pour un tour. Et quand tu rentres dans le camion, c'est bizarre parce que t'as les portes se ferment automatiquement, mais t'as pas de bouton pour partir. Donc en gros, t'es parti pour une grande foulée. Mais sérieux, il y en a qui disent qu'il y a des bonbons dans le camion. Et aussi, il y en a qui disent qui vont, par exemple, à la FNAC. Bonjour. Oh, tu joues à ça, machin. Parce que tu vois, j'ai une PS4 chez moi. Le mec, il va se dire, oh, trop bien. Il commence à courir. Hop, il rentre dans le camion. Il vient chez eux. Là, clic, ferme la porte. Boum, une petite chassée dans la gueule. Il s'endort. Il se réveille avec une PS4, mais il se réveille sans ses parents. Et puis, tout seul chez lui. Puis, bon, après, ça, c'est dans les films d'horreur, mais ils doivent sortir tout seul d'un abattoir. Il y a des bouts de verre, il y a des corps partout. C'est dégueulasse. Sauf que bon, bah ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Ça peut qu'il les viole puis il les tue. Ça, vaut mieux pas tout de suite. Allez, c'était Eric Espagnich pour la petite vidéo sur les sites de rencontres. J'espère que ça vous aura plu et. Pas plus, je vous jure que ça marche. J'ai trouvé l'amour. Sauf qu'elle est parvenue me voir, car elle est morte.